les dieux de l'Olympe m'ont abandonné. Il n'y a plus d'espoir. Et Kratos se jeta de la plus haute de toutes les montagnes de la Grèce. Après 10 ans de souffrance, 10 ans de cauchemars ininterrompus, tout cela allait enfin finir. La mort lui permettrait d'échapper à la folie. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce 3e épisode de God of War, premier du nom. C'est reparti. La dernière fois, nous étions arrivés à Athènes pour nous débarrasser d'Arès qui a envahi la ville. Et on avait rencontré un oracle qui nous disait de la suivre pour savoir comment vaincre un dieu. Du coup, retournons-y. Est-ce que c'est plus rapide quand je spamme ça? Mais, je sais pas. Peut-être plus rapide de faire ça. Plus rapide, mais moins stylé. C'est lui Arès. Wow. J'aurais pu sauvegarder là. Dieu de la guerre, je ne vous ai pas oublié. Pour ce que vous avez fait cette nuit-là, cette cité sera votre tombe. Il m'a vu ou pas? Hep, hep, hep. Alors maintenant, je vais sauvegarder là, pendant que j'enregistre. Parce que, on sait jamais si j'ai un problème. Il se peut que la plaie ne suive pas, ou un truc du genre. Enfin c'est bon, il nous attaque pas, non. Pas je tuais le chemin, ouais, mais bon. Hop là.
quelque chose de spécial? Je sais pas, ils reviennent à l'infini, donc je me dis il faut faire quelque chose de spécial. Ah, peut-être que... Je crois que j'ai compris. En fait, faudrait qu'ils viennent là-dessus. Évidemment, j'ai plus de mana à ce moment-là. Casse-couille, vraiment. Alors, R2 de merde. Mais il fait le tour, ce connard. Ah merde, c'est des alliés. Toi t'es un ennemi. Vraie saloperie ces méduses. Je peux rentrer maintenant? Ah ouais, je peux rentrer. Salut toi! Ah merde. Hello there! Putain, les Athéniens, ils ont même pas d'escalier dans leur maison. C'est quoi ce bordel? Wow! Pas assez loin.
J'ai oublié des trucs depuis le début, du coup. Ça va, je comprends les trucs maintenant. Les minotaures, faut leur faire ça pour les buter facilement. Les méduses, faut juste, dès qu'elles esquivent, faut bloquer, parce qu'elles attaquent directement après. Bon, les petits gars, faut juste leur foncer dessus, hein, c'est pas... pas difficile à comprendre. Ça rapporte rien, mais j'aime pas quand c'est sur le passage et que tout n'est pas cassé. C'est pas beau. En même temps, je repasserai jamais dans ce temps. D'accord. Bah. Putain, juste parce qu'il a touché le sol, il l'a lâché, ce connard. Il va le refaire, là, non? Ouais, regardez. C'est chiant, ça. Ah, puis il retombe, ok. Il restait une porte. Je dois pas être loin de pouvoir faire ça. Ouais. On va continuer de les mettre. On va monter au moins niveau 3, puis ensuite je me montrerai les pouvoirs. Ça doit être la haute société ici, ils ont des portes en fer et pas en bois.
J'ai rien dit. Ça doit être une porte spéciale. Pourquoi ça fait tom tom? S'il reste sur le chemin, moi je fais pas attention. Aïe. Putain, y'a même pas eu de QTE. Mais non, pas besoin. C'est quoi, c'est un cyclope? J'ai l'impression que c'est un cyclope en fait. Non, c'est un troll. Il a plusieurs yeux. Ça lagouille un peu, hein. Un chouïa. Protection ne marche pas contre... Voilà. Encore des portes en fer. Pour le retour. Ah, celle-là elle est en bois. Celle-là aussi elle est en bois. Copier-coller. Je me demandais s'ils avaient fait des détails déjà à l'époque. Reculez! Restez loin de moi!
Hop. Il sert tellement bien le parquet qu'on voit au travers. Ici. N'approchez pas! Ce n'est pas contre toi, ma petite dame. Je sais qui vous êtes. Je sais ce que vous avez fait. Monstre. Attendez. Reculez! Éloignez-vous de moi! Il a dû faire des trucs pas très beaux pour les dieux, j'imagine. Éloignez-vous! N'approchez pas! Restez loin! Il n'aurait pas eu le temps de chargement, est-ce que j'aurais pu la sauver? Faut que je refasse tout le tour. Alors attendez, parce que vous avez les boucliers, vous m'intéressez, vous. Est-ce qu'il y a moyen de les vaincre? Oh. Mais ces trucs se détruisent. Faut pas faire attention. Ah, il y en a que quelques-uns qui se détruisent, pas tous. Plus qu'un et j'ai plus de vie. Bon, je crois qu'il me faut plus de la vie qu'autre chose.
priori, c'est à chaque fois quand ça fait dans un sens, ça fait dans l'autre juste après. Pour les méduses. Pour le QTE à la fin. Du coup, on a récupéré la clé. J'imagine qu'on en avait besoin en haut pour continuer de toute manière, donc bon. Genre pour rentrer là-dedans. Ah voilà. Oh, on peut enchaîner les triangles et les carrés maintenant. On va améliorer un peu le truc de foudre. Moi, ça m'oblige pas à choisir un chemin. Pas compris. En fait, j'ai pas compris où ils veulent que j'aille. Ah, en face, pardon. Oula, ouais, moi je voyais les trucs au-dessus en fait, mais pas. Voilà. Autant se servir, même si on n'en a pas forcément besoin, enfin du moins pour la mana. Yeah.
Ouais, puis merde. Ouais, mais je pige rien à ce qui m'arrive là, ils m'ont enchaîné. Ouah, j'ai rien pigé à ce qui m'arrivait là. Putain. Oh, et je recommence là. Oh, ce jeu va être chiant avec ses points de sauvegarde.
On fait avec les moyens du bord. Oh. Bonjour. Vous avez de grandes mains. Ah ah. Je me disais bien qu'il y avait... C'était bizarre. Plus qu'une et j'ai encore plus de mana, c'est cool. Non, vraiment casse-couille ces gars-là. Ah, c'était juste pour aller se débarrasser des... Parce que sinon il m'aurait fait chier pour sauter. Combien? 39 minutes? Ah, j'ai envie d'arrêter ici. Je vous avoue que j'ai envie d'arrêter ici. Bon allez, j'arrête ici. Sur ce... Je vous dis à tous, ciao à plus et rendez-vous au prochain épisode pour la suite de tout ça. C'est bon, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Allez hop.